Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul. J'ai pas acheté grand chose mais ça va être mes habits du 24 au soir. Oui, j'ai des petites frisouilles. Parce qu'en fait ma mère avait rendez-vous au coiffeur, chez la coiffeuse. Et en fait il y a un collègue qui veut devenir coiffeur et il savait pas comment faire. Et du coup il lui a montré puis il s'est éclaté sur ma tête. Donc là vous avez celle-là, je crois que c'est celle que m'a fait ma coiffeuse. Et ça, c'est celle de mon collègue. Enfin, on les voit moins. De toute façon, j'ai les cheveux qui tombent, alors. Voilà. Moi, j'aime bien. Donc, samedi, je vais au coiffeur. Donc, voilà, j'aurai un truc assez... On va voir, on est en train de mijoter un truc. Donc, d'abord, j'ai acheté ce pull que j'ai sur moi. Qui est comme ceci. Je vais vous montrer de loin. Hop. Voilà. Là, c'est tout doux, en fait. C'est une espèce de fil tout doux. Voilà, là c'est un peu doré en fait. Les manches c'est pareil. Et voilà, je l'ai acheté à la halle. Donc franchement je l'aime bien, il est terrible. Le prix je ne sais pas. Je ne sais pas le prix, mais en fait plus. J'ai acheté ce t-shirt ici pour Noël justement. Donc là vous avez ça en petite déco. Vous avez des deux côtés hein, que vous avez là aussi. Donc là mes ongles. Ils ont poussé, je sais pas si on peut voir. Voilà, là vous voyez. Lui il est pété, les deux pouces sont pétés, donc voilà, ça me saoule. Les deux là se décollent. Donc je suis un peu dégoûtée pour le coup. J'ai payé 50 euros pour rien. Donc voilà, c'est un peu effet matelassé en fait. Donc lui je crois que je l'ai payé 30 euros. Ouais. À la haul aussi. Voilà. Mais enfin j'aime bien. J'aime mieux les feux en fait. Donc c'est pas que j'ai payé pour rien, mais en fait je savais que mes ongles tenaient rien. Ces trois là ils tiennent super à donf, celui-là aussi, sauf qu'il pousse à mort. Là les deux tiennent. Celui-là se décolle. Et mes deux pouces, et ben, ils sont cassés en fait. Ils se cassent au point de stress qui est ici. Je sais pas, vous voyez le petit trait noir? Ben là ils sont cassés. Donc voilà. Je pense pas que. En plus, j'ai un accident de voiture donc je pense pas que. De toute façon, elle m'a pas répondu encore si je pouvais prendre rendez-vous ou quoi. Donc je leur ai dit bah s'ils sautent, ils sauteront. Et puis voilà. Donc je les voulais pour Noël. Je pense qu'ils vont tenir jusqu'à Noël, mais je suis pas sûre. Je suis sceptique. Donc on va râler. Donc j'ai acheté des bijoux. J'ai acheté les boucles d'oreilles que je porte ici. Aïe, chaque fois je m'accroche, je vais vous montrer de plus près. Hop, oh, le machin il s'est tordu déjà, c'est un peu de la nuinote. J'ai acheté ça là, là j'ai envie de vous dire. Donc voici, je les ai achetés pour Noël. Hop. Donc là le petit pic il s'est tordu. Oui. J'ai dû l'arracher tout à l'heure sans faire exprès. Voilà. Ma mère s'est pris une paire de boucles d'oreilles. Magnifique, hein, j'ai envie de vous dire. Pour les fêtes. Des plumes pailletées en fait. Moi je suis sceptique sur les plumes parce que toutes les boucles d'oreilles que j'ai achetées en plumes se sont pétées. En fait, elles se cassent ici. Donc voilà, de toute façon celle-là c'est pas pour mettre tout le temps. J'essaie de vous les montrer toutes. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez des reflets de malade. Donc elle les a payées 7 euros. Tour. Voilà, à la halle. Tac, je vais remontre. Elles sont franchement portées, ça doit être juste. Ah, ça doit être sublime en fait. Et moi, il est là. Ah non, oui, celle-là. Je les ai payées 5,99€. Celle que j'ai ici. Et je me suis pris, je ne sais pas où il est. Il est là. Un collier pour mettre avec ben, mon t-shirt blanc. J'ai gardé exprès les prix pour faire la vidéo justement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, hein, je vais vous dire, c'est terminé. Hein. Donc voilà, je me suis pris un petit collier comme ceci. Voilà. Donc là forcément ça n'ira pas. Mais voilà comme il est. Avec des petits pics, des petits points noirs. Je l'ai payé 9,99€. Donc voilà, avoir porté avec le collier, enfin avec le t-shirt. Je vais enlever ça.
Donc voilà. En gros, il va donner ça quoi. Donc verlier. Donc samedi, je vais au coiffeur. Chez le coiffeur, je sais pas. Comment on dit. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Je n'ai aucune idée. Eux, ils ont des idées, mais pas moi. Je voulais m'en faire ma couleur un petit kit un peu plus foncé avant, mais je pense que je vais pas la faire en fait. On verra plus tard. Je coiffe les boucles. Vous voyez, chez moi, je les ai faites il n'y a pas longtemps. Ils retombent déjà. Mes cheveux, c'est de la lunette. J'ai pas de volume. Dès qu'on fait des trucs, il y a tout qui tombe. Voilà, ça fait. Donc voilà, les filles. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer des tutoriels de maquillage pour les fêtes. Parce que tout simplement, à côté, la chambre d'à côté, ils repeignent. Donc il y a un peintre et il fait du bruit donc voilà, je vais essayer, je sais pas, donc voilà, je sais pas du tout, je vais voir s'il est pas là l'après-midi, je vais essayer, mais bon, c'est pas gagné parce que demain il ponce les murs et voilà. Et vu que j'ai eu un petit accident de voiture, ben je suis un peu fatiguée, j'étais très choquée, donc voilà, je suis pas en état de faire des vidéos ni quoi que ce soit, puis le temps n'est pas avec moi, donc voilà, on verra bien. On verra bien quand c'est que je refilme. Donc je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Si je ne reviens pas avant, je vous dis de bonnes fêtes. De bonnes fêtes, passez de bonnes fêtes de fête. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. J'y suis arrivée. Je vous adore tous. Et profitez bien, mangez bien. Faites attention à vous et revenez bien l'année prochaine. Bye bye.